Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais te parler de mon investissement Pokémon, mais aussi de ma collection. Mais avant de la commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, le petit like et bien évidemment le commentaire pour le petit référencement, pour me dire ce que tu en penses tout simplement. Et n'oublie pas, pour la sortie de EV5 Force Temporelle, je t'offre une TB bleu, j'ai pas encore sorti de la vidéo, mais ça arrive très bientôt, donc restez à l'affût si tu veux participer et pouvoir la gagner. On fera bien évidemment le tirage au sort sur la chaîne en direct. Alors, je vais te parler aujourd'hui de mon investissement de ma collection Pokémon, parce qu'il faut savoir que j'investis dans Pokémon, mais pour l'instant, je ne revends rien. Je vends difficilement, vraiment, même mes cartes en double, je les garde. Je garde tout. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi vous avez du mal à vendre vos items Pokémon, vos cartes en double. Bref, moi j'ai du mal. Vraiment, j'ai du mal. Donc du coup, on va commencer avec cet investissement-là. J'ai acheté 5 ETB EV3 Flamme Obsidienne quand elles étaient à 50€, c'est-à-dire à la sortie. Je me suis dit que de toute façon, en ayant Salamèche en starter sur l'ETB et en carte promo dans cet ETB, je me suis dit que de toute façon, elle allait prendre de la valeur. Je me suis dit obligé que ça augmente. En plus, il y a du Dracaufeu dedans. Bref, cette ETB, elle est magnifique. Du coup, je me suis dit, allez, on va se faire plaisir. Je vais m'en acheter 5. J'en ai même acheté plus. Mais il faut savoir que j'en ai ouvert sur la chaîne. Donc du coup, voilà, il m'en reste 5. Maintenant, j'ai regardé un petit peu les prix. Je me suis dit, voyons voir où en est les prix de EV3 Flamme Obsidienne sur cette ETB, car généralement, il y a très très peu de restock sur les ETB. Maintenant, on est environ à 60-65€ unité en vente réussie eBay. Donc voilà mon premier investissement, pardon. En plus, franchement, à collectionner, c'est une très très belle ETB. Il faut vraiment que tu l'aies dans ta collection si tu ne l'as pas encore. Ensuite, bien évidemment, j'en avais déjà parlé un petit peu, on passe sur du japonais, c'est bien évidemment les box Shiny Treasure. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que maintenant, on les trouve, écoutez bien, à 60-65€. Moi, je les ai payés environ 70€. J'en ai acheté 6 que j'ai gardé en scellé dans ma collection. Mais avec le japonais qui a descendu dernièrement niveau tarif, franchement, c'est une exclue. 60€, 65€, c'est très, très peu cher. En sachant les cartes qu'il y a à l'intérieur, Gardevoir alternatif, le gros Drac Shiny alternatif également. Enfin bref, que de la belle carte là-dedans. Franchement, vous pouvez vous faire plaisir à 60€. Que ça soit à garder scellé, investissement, à ouvrir, bref, peu importe. Ensuite, on va passer à cette box là. Voilà, ça c'est vraiment très très jolie box. C'est pareil, c'est du si je dis pas de bêtises, S6H, qui est l'équivalent de Règne de Glace en français. Alors voilà les deux. Hop, j'ai les deux. Voilà, franchement, il y a de la belle carte aussi à aller chercher en alternative. Mais moi, c'est plus pour l'investissement. Ça, c'est la S6K. Voilà. Franchement, ça, c'est vraiment de la belle carte. Box à garder scellé, vraiment, ça fait plaisir. Je crois que maintenant elle a augmenté un petit peu. Je crois qu'on est sur du, allez, 150-160€ les deux box. Ensuite, des box qui étaient pour moi trop sous-cotées, qu'on trouvait aux alentours de 60€, je pense que maintenant c'est aux alentours de 80-85€. C'est bien évidemment cette box ici où il y a le Duralgon à aller chercher, S7D, qui fait partie de l'évolution céleste dans notre série en français. Voilà, dedans c'est pareil, il y a des belles AR à aller chercher, pas forcément de très grosses cartes, mais c'est une très très jolie box, je trouve.
Voilà. Ensuite, ça c'est pareil. Je crois que la box maintenant, cette box là que je vais vous présenter, elle est environ à 120 € en vente réussie eBay. C'est bien évidemment la box S12 Paradigm Tiger où on peut aller chercher le Lugia alternatif à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment une grosse dinguerie. D'ailleurs, en japonais, la carte Lugia alternative, je ne sais pas combien elle coûte, mais déjà rien qu'en français, c'est du 250 €. Alors j'imagine qu'en japonais, c'est minimum du 300 à 400 €. Facile en vente réussie. Oula, j'allais la faire tomber, je l'ai rattrapée de justesse. Bref, elle m'a glissé des doigts. Des fois, ça arrive des petits incidents comme ça. Il y en a qui les coupent. Au montage, moi j'ai décidé de tout laisser. Voilà, je fais des vidéos simples. Ensuite, des box très récentes. C'est les dernières séries qui sont sorties en japonais. Voilà, c'est pareil, il y a de la belle AR à aller chercher. Où il y a Rugin aussi, alternatif à l'intérieur. C'est bien évidemment SV4M. Ensuite, on a cette box-là qui va avec. C'est la SV4. Ou non, c'est celle-là que j'ai l'une et l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle, les nouveaux Pokémon alternatifs où tu peux aller chercher dans ces box-là. Alors là, ces box, si tu les trouves encore à les 120-130 € les deux, mais bon, après ça, c'est des box qui vont augmenter parce que en japonais, contrairement au français, il n'y a pas de reprint. Certes, il y a du restock, mais il n'y a pas de reprint. Après, il faut savoir qu'il y a toujours un petit restock. Comme je pense à V-Star Universe, pour ceux qui connaissent un peu le japonais, dont c'est une magnifique série, mais elles vont plus rester longtemps à 100 € ces box, parce que de toute façon, V-Star Universe, pour moi, c'est comme VMAX Climax, c'est bien trop sous-coté. Ensuite, on va passer à la dernière box. C'est bien évidemment alors une box que j'ai acheté environ 200 €, alors elle n'a pas augmenté. Mais je pense que plus tard elle va augmenter. C'est la box bien évidemment Tag Team. C'est la SM12A. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est ça, SM12A. Franchement, regardez-moi cette illustration. Le Drac, le Tortank, Florizarre. Magnifique. Vraiment magnifique. De toute façon, les Tag Team, c'est comme en français, en japonais, ça va grimper de fou, croyez-moi. Surtout les box comme ça, en scellé, pas ouverte. Ça va s'envoler, mais vraiment dans un an, je pense que là, cette box-là, elle va faire x2 parce que vraiment, je crois que oui, on la trouve encore à 200 balles. 200 balles, franchement, c'est rien pour une telle box qui a plus de, je dirais, 2-3 ans facilement. Ensuite, j'ai acheté quelques cartes, tout simplement. J'aime bien des fois, en japonais, acheter un set complet d'AR. Alors là, j'ai acheté un set complet d'AR, mais pas n'importe lesquels, parce que voilà, c'est une série que tout le monde aime. C'est la série 151 en japonais et 151 en français aussi, qui cote déjà beaucoup trop. Je me suis dit, allez, je vais m'acheter un petit set d'AR 151 Jap, surtout à 70 €. Franchement, 70 €, je crois qu'il y a 18 cartes. 78 € 18 cartes. Franchement, c'est donné. C'est donné parce que vraiment il y a de la belle carte. Alors, hop, je vais vous montrer un petit peu comme ça. On a le Mewtwo, le Draco. Voilà, bref, c'est le set d'AR. Vous connaissez un petit peu. Voilà, Bulbizarre, Florizarre. Ensuite, on a du Salamèche, on a du Reptincelle, le Carapuce, le Carabaf, Chenipan, le Pikachu. Je crois que déjà en loose, le Pikachu, il tourne autour des 15 € en loose. Donc voilà, vous voyez un petit peu, en plus le Nidoking, le Psychoquack, ça c'est Tartare ou Tétarte, je ne sais plus, le Matchhopper, Sac de Nœuds, voilà. Et on finit avec le Ronflex qui avec nous, enfin qui avec nous, c'est en carte promo dans les ETB 151. Mais imaginez ça plus tard, gradé en PSA 10, franchement, ça va coter. Croyez-moi, ça va coter cher, très cher. Je crois que déjà, rien qu'au niveau des starters en 151 PSA 10, ça coûte déjà un petit billet. Je vous le mettrai juste ici.
Mais vraiment, j'ai regardé les cartes PSA 10, j'ai défilé. Franchement, c'est énorme le prix que ça coûte. Vraiment. Alors là, c'est vraiment des états nickel. Il n'y a pas de point blanc, il n'y a pas de. Voilà. Surtout sur du japonais, vous avez très rarement des défauts comme sur les cartes françaises. Après, je parle du japonais, mais vous pouvez aussi faire le set AR en français, qui pour moi, c'est pareil, va faire que de grimper. Surtout si vous les envoyez gradés chez PSA, vous récoltez un 9 et là un 10, c'est vraiment le Graal. Du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'aura aidé, que ça soit à collectionner niveau investissement. Franchement, ça fait plaisir d'avoir de tels items dans sa collection. Pour moi qui suis un collectionneur principalement de scellés. De plus, j'ai fait référence à PSA. Mais j'espère vraiment recevoir cette semaine ou semaine prochaine ma réception, ma toute première réception de cartes gradées PSA. Et franchement, vous n'êtes pas prêt. D'ailleurs, la vidéo arrive de EV5. Le titre, ça sera bien évidemment une TB EV5 ouverte, une TB offerte. Voilà, c'était Valou. On se retrouve très très prochainement pour une ouverture des infos. Je pense qu'on va parler de la nouvelle extension EV6. Prenez bien soin de vous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, surtout le petit like et le commentaire. Allez, je te souhaite plein de bonnes choses. Ciao !